nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Elisabeth Morin-Chartier, Katianine Landaburu et Jean Quatremer. Souriez, Jean. Souriez. Souriez parce que c'est fini, la soupe à la grimace. Ouais. Dès qu'on parle d'Europe, l'europhilie effectue finalement un peu son comeback, son grand retour, comme l'indiquent non seulement les sondages, mais surtout le reflux des partis, les partis du rejet qui ont fait leur miel de l'euroscepticisme, comme nous l'explique Jean Quatremer dans sa désormais célèbre chronique de la faute à l'Europe, Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Effectivement, dans une grande majorité de pays européens, l'europhilie est désormais une valeur en hausse. Ainsi, dans cette France si morose depuis si longtemps, l'opinion s'est brutalement retournée. Alors qu'il y a à peine 6 mois, 56% des Français étaient pessimistes sur l'avenir de l'Union, ils sont maintenant 55% à proclamer leur optimisme. Les exits en tout genre ne font plus recette. Une enquête effectuée dans 9 pays européens montre que seuls 18% des citoyens veulent quitter l'Union. En France, ce chiffre atteint 22%, mais il grimpe, il faut le reconnaître, à 35% en Grèce, ce pays ayant connu des cures d'austérité sans équivalent en Europe, tout comme en Italie, et là, c'est beaucoup plus inexplicable. Ce reflux de l'euroscepticisme coïncide avec celui des partis démagogiques en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Italie et sans doute demain en Allemagne. Tout se passe comme si on assistait à la fermeture d'une parenthèse ouverte il y a 13 ans lors du grand élargissement à l'Est de 2004. Car c'est à partir de là que les opinions publiques de l'Europe de l'Ouest, celles des 15, ont décroché d'un projet qui semblait favoriser le dumping social et fiscal et la concurrence de tous contre tous. Les Français et les Néerlandais ont ouvert le bal en rejetant en 2005 le projet de traité constitutionnel européen. Ensuite, presque inexorablement, l'euroscepticisme a semblé tout emporter sur son passage. L'acmé de ce retour au nationalisme d'antan a été atteint avec le Brexit en juin 2016. Mais loin d'entraîner d'autres pays dans leur sillage, les Britanniques ont en réalité réveillé les peuples hypnotisés par la propagande démagogique des partis europhobes. Et oui, le pire peut arriver et tout peut se défaire sur un seul vote. Un seul. Chacun a pris conscience de l'extrême fragilité d'une construction qui nous a quand même garanti 70 ans de paix et, mais oui, il faut le dire, de prospérité, surtout dans un monde de plus en plus incertain. Bref, je n'ai qu'un mot à dire, merci. Merci, mesdames et messieurs les Britanniques, d'avoir réveillé le vieux continent. Voilà, et merci d'avoir réveillé le Jean Quatremer. C'était la chronique de Jean Quatremer de Libération. Elisabeth Morin-Chartier, est-ce que vous pensez que l'Europe est revenue à la mode ? L'Europe est revenue à la mode rapidement dans l'élection présidentielle française. Il y avait quand même beaucoup de gens qui ne voulaient pas sortir leur drapeau européen. Et tout d'un coup, un candidat, celui qui gagne, en quelques semaines inverse la vapeur, sort le drapeau de l'Europe, parle d'Europe, enthousiasme pour l'Europe. Ça me fait très très plaisir. Mais moi, j'ai quand même un petit doute. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'élection présidentielle française, 40% des votes sont allés sur 2 candidats qui étaient profondément europhobes. Mélenchon, Le Pen, au premier tour. C'est quand même extrêmement inquiétant. Et il ne faut pas croire que l'europhobie soit disparue. Moi-même, dans mon propre parti, il a fallu que je me batte sur la directive des travailleurs détachés. On n'en parlait pas tout à fait comme nous devons en parler. Donc, il a fallu mener une bataille interne. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, ne pas se réjouir trop vite. Katialine, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle, comme disait Jean, 2004, grand élargissement, les Européens disent « Oh, il y a tous les pays de l'Est qui débarquent, 2005, les Néerlandais, les Français votent non au traité. » Et puis là, 2017, les Néerlandais rejettent Geert Wilders, l'europhobe, les Français rejettent Marine Le Pen, l'europhobe.
Oui. La boucle est bouclée. Alors, la boucle est bouclée, je ne sais pas, parce que l'europhilie, ça reste un sentiment quand même fragile. Mais effectivement, on a vu dans plusieurs pays, et après la crainte, par exemple, de la contagion du Brexit, balayée d'un revers par les élections en France, même en Espagne, hein, aux Pays-Bas, en Autriche. Et aux Pays-Bas, par exemple, la moitié des sondés avant le Brexit disaient qu'ils étaient eux aussi favorables au Brexit. Et il y avait même des députés qui avaient commandé un rapport sur les conséquences d'une sortie de l'euro pour anticiper peut-être un débat parlementaire. Eh bien, évidemment, ça ne s'est pas passé. Pareil, rétropédalage au Danemark. Au Danemark, où le sentiment europhobe est quand même grandissant, eh bien, il y avait 69% qui veulent rester, qui ont dit qu'ils voulaient rester au sein de l'Union européenne après le Brexit, soit 10 de plus qu'avant le référendum. Même chose en Suède, par exemple, où là, par contre, il risque d'y avoir en 2018 un référendum sur l'Europe. Et puis, dans les pays de l'Est, où le sentiment est fragile, mais là, il y a un autre paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont europhobes et une population plutôt euro-enthousiaste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie conviction sur l'Europe de la part de la population, Jean. Un coup, l'Europe, c'est le bouc émissaire, un autre coup, c'est la bouée de sauvetage. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que simplement les peuples n'ont pas envie de l'aventure, de l'aventurisme. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en sortant, les Britanniques prenaient un risque énorme. Et les Britanniques n'ont pas l'euro. Nous avons l'euro. Donc on joue avec nos économies. Donc ils ont dit non au Frexit, non au Nederzit, non, etc. Mais ils n'ont pas dit oui à l'Europe telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de redresser l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, elle est mal foutue, elle a des politiques qui sont pas satisfaisantes. En 2005, quand les Français ont voté non au traité constitutionnel, c'était pas un vote qui engageait tant que ça, finalement. Non, parce ça a été l'ouverture d'un cycle. Mais ça ne voulait pas dire la sortie de l'Union européenne. Absolument, parce qu'en 2005, quand tout le monde avait vendu ce référendum comme étant sans conséquence. Ça n'est pas grave. Votez non, de toute façon, on ne sortira pas de l'Europe. Les traités continueront à s'appliquer. Donc, c'est un vote sans conséquence. Dire voter oui ou non dans l'Union européenne, ça, c'est autre chose. Hein. On paye la facture immédiatement. C'est certainement une Europe plus humaine que nos concitoyens attendent. Une Europe qui s'occupe de leur emploi, qui s'occupe de la santé au travail, qui s'occupe de la défense, qui les protège contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on a fait l'Europe de la paix, on a fait l'Europe de la politique agricole commune, on a fait l'Europe du marché intérieur. Aujourd'hui, il faut faire l'Europe des citoyens européens et que cette Europe soit plus proche des citoyens et qu'ils se sentent plus concernés par l'Europe. C'est ça le grand changement. On a compris comment il fallait faire aujourd'hui. Ou pas? Eh ben d'abord, la directive sur les travailleurs détachés. Voilà, dont vous êtes rapporteur. Oui. Jean, donc, ça sera la clé C'est une des clés, et je crois qu'il y a d'autres dossiers, vous les avez évoqués, la défense, la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que l'Europe, finalement... La défense, si on travaillait tous ensemble sur les questions de défense, on pourrait économiser jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Et être plus efficace. Et être plus efficace, surtout. Les amendes record contre Google, c'est un autre exemple aussi de ce que l'Europe peut faire, mais on ne veut plus d'une Europe molle, on veut une Europe qui protège. Je dis ça pour tous les citoyens, et je pense que là... Catherine, elle veut une Europe dure. Non, une Europe plus dure, c'est-à-dire qu'une Europe qui soit moins molle face à nos adversaires, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques. Donc, il est temps, maintenant, de montrer la nouvelle face de cette Europe que je soutiens, bien évidemment, Yann-Antoine. Très bien. Bon, merci Elisabeth Morin-Chartier, merci Catherine Nandabourou, merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Je pense que tout le monde va avoir besoin de vacances. Merci à Hugues Baudouin, Solène Dupont de l'Estrin, Fanchon Brumaire et Alexandre Rougier qui ont préparé ce programme, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, vacances ou pas vacances, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.